Et salut à vous, salut Anto dans le chat, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Désolé pour cette heure si tardive pour ce live, mais je n'avais pas d'autre choix. Je suis sincèrement désolé, mais on est là. C'est le plus important, jusqu'à à peu près minuit et demi. Donc ça nous laisse une bonne heure et demie pour continuer à avancer dans nos travaux. J'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite un bon épisode à tous. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais faire en premier? Par contre, il fait que pleuvoir là. Hein. J'ai allumé. Je me suis réveillé dans le Warm World il y a 10 minutes. Franchement, temps de merde aujourd'hui. Hein. Un temps de merde. Je vais aller voir au niveau du zoo pour voir ce qu'il en est, où on en est avec Monsieur Anto et Monsieur Cyber. Mais franchement, c'est déconné. Hein. C'est déconné, hein. J'ai un rendez-vous aujourd'hui, normalement. J'ai un rendez-vous au manoir. C'est pas un temps à faire la fête, hein, tout de même, hein, mais ça fait peur. Hein. On verra bien tout ça. On verra bien. Salut Walibi, bienvenue à toi. Comment ça va Walibi? J'espère que tu vas bien. Alors, on va aller voir au zoo. Je le rappelle, on a un rendez-vous. On a un rendez-vous ce soir. On a un rendez-vous. Va falloir créer un chemin là. Hein. Parce qu'il faut pas trop déconner non plus. Pour aller au zoo, faut créer un chemin là. Faut pas rester comme ça. Hein. Is. Allez, avance. Avance. Pourquoi il veut pas avancer? Il est super lent. Je comprends pas pourquoi il est aussi lent. J'ai jamais vu un chariot aussi lent. Ah, ça y est. Il s'est arrêté de pleuvoir. Des nuages sombres aujourd'hui. On n'est pas prêt d'arriver au zoo à cette allure-là, sans déconner, hein. Je vais plus vite à pied. C'est abusé. C'est abusé, je vais plus vite à pied. Il n'y a que dans le One World. Je tiens à remercier Abir qui a follow la chaîne. Une petite demi-heure avant le début du live. Alors, l'entrée du zoo, vite. Alors, j'attends un SMS de la part de... De Monsieur Delacour qui m'a invité à, à une soirée, mais pour le moment rien du tout. Hein. Oh là là, l'ours polaire est en cavale. Oh, il y en a 2, 3, 4, 5. C'est fou. Qu'est-ce que c'est ces soldats noirs là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ces squelettes noirs là? Oh là là, qu'est-ce que c'est tous ces animaux là? Il y a plein de salamandres et tout, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi eux? C'est des gardiens? C'est quoi? C'est bizarre, ils m'attaquent pas. Par contre, ils se font attaquer par quelqu'un qui est invisible là. Qui est invisible ici là? Il y a un homme invisible, les gars, dans la map. Je ne sais pas qui c'est. Vous êtes qui, monsieur? Il y a des phénomènes paranormaux. Que se passe-t-il? Phénomènes paranormaux. Se disent de... qu'elle est de l'autre dimension. Se disent qu'elle est de l'autre dimension? Ça veut dire quoi, monsieur Walibi? Je ne comprends pas. Se passe dans ce zoo là, il y a plein d'animaux. J'ai oublié le nom de cet animal là. L'animal qui sort d'une autre planète, qui est dans des aquariums. J'ai oublié le nom. Je suis surpris de ne pas trouver Monsieur Anto et Monsieur Saver au zoo. Ah, ils sont là-bas. Parfait.
C'est Monsieur Anto qui est en train de travailler. Ah ben c'est très bien comme enclos pour les pandas, ça. Magnifique. On pouvait pas faire mieux pour les pandas. Bonjour Monsieur Anto, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va et vous? Ben ça va très bien, j'espère que vous allez bien. Et oh là là, oh là là, crise d'épilepsie d'un panda en direct, ça va, il va mieux. Il va mieux. J'espère que vous allez bien, monsieur Anto. Écoutez, tout doucement, tout Tout doucement. doucement, très bien. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, je vous vois derrière ces super pandas. D'accord. Alors, si vous me voyez bien, c'est que ça va bien pour vous, je suis rassuré. Parfait. J'ai combien de doigts, monsieur Anto? Cubique. C'est exactement ça, vous avez trouvé. C'est magnifique. Tout va bien. Alors là, je suis en train de faire un parc avec des pandas, Ah enfin un ben, parc, une petite zone pour les pandas. exactement, c'est ce que je disais avant d'arriver. On ne peut pas faire mieux pour un enclos de panda. Oh là là, crise d'épilepsie d'un panda, une fois de plus. Oula. Il va manger le bambou là. Je vais casser les bambous, je vais les remettre. Oh my god, quand il mange du bambou, ça fait peur quand même. Hein. Sans déconner. Voilà. Tac. On pouvait pas faire mieux, effectivement. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis assez surpris, monsieur Anto, de voir autant de comment ça s'appelle ces animaux là dans le Ça, qui c'est un axolote, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fout voilà. là. C'était le nom que je cherchais. En parlant vous ne savez pas ce qu'ils foutent là, mais est-ce que vous savez ce que les 200 axonautes qui sont Ah bah. dans le zoo? Alors ça c'est l'œuvre des autres, là je sais pas ce qu'ils foutent, ils sont invités ici. Ça faut demander des explications à l'autre fabricant du parc, je pense. L'autre fabricant, c'est-à-dire À Monsieur Siver, ou je Ah, ne sais Monsieur pas si c'est Saver. lui ou. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait de la couleur, mais ça va Effectivement, finir par dégager. c'est assez spécial. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je comprenais pas. Bon, ben, si c'est l'œuvre d'un maître d'œuvre du zoo, aucun problème, hein, aucun problème. Ça Par contre, je vais lui demander de me retirer l'effet de vision dans le noir, parce que ça m'énerve d'avoir des trucs qui volent de partout, là. Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que je ne comprends pas trop. Je vois qu'il y a un immeuble rouge là-bas qui a été Ah, construit. je sais pas du tout ce que c'est, par contre. Alors là. Un McDonald's, je sais pas. Ah, Ouais, je effectivement, il n'y sais a pas. personne à l'intérieur, mais. Ou une boutique SFR, peut-être. Un peu, une boîte rouge, effectivement, oui. Généralement, les boutiques SFR sont comme ça. Très bien. Écoutez, je ne vous dérange pas plus, monsieur Anto. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur le chantier du zoo. Merci beaucoup. Merci pour votre visite, ça fait À toujours plus plaisir. tard, à plus tard. À À plus plus tard. Merci tard. beaucoup. Mes respects. De rien. Mes respects, mes respects. Alors, on va continuer la visite. Alors, la sortie était où? Donc il y avait beaucoup plus de comment ça s'appelle de d'ours polaires. Donc le zoo avance très bien. Hein. Il avance très bien. Les pandas, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé là-bas les pandas. Ça fait vraiment bien. Par contre, cette fois je vais passer par. Je vais essayer de me rendre au nord de la map. On va passer par le métro, tiens, pour une fois. Et on va sortir sur l'avenue du Bigwam. Tiens, j'en profite. Ah, par contre, ça n'avancera pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est lent. Qu'est-ce que c'est lent. Bon, je crois que c'est mort. Pour le métro, je crois que c'est mort. En plus, j'ai cassé une rail. On verra bien plus tard. On va y aller à pied. On va prendre le métro-pied. On prend le métro-pied. Pour rejoindre le centre. Par contre, je ne comprends pas, je devais avoir un rendez-vous ce soir.
devais avoir un rendez-vous, mais toujours rien. Parce que monsieur de la cour, j'étais en train de me poser un lapin. Ça serait quand même inadmissible pour un homme de son rang. Il y a un problème avec les wagons, les gars. Comment ça se fait que les wagons n'avancent pas comme ça? C'est trop bizarre. Salut T41, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau, T41? Il y a un problème avec les wagons, là. Comment ça se fait que ça va si peu? Comment ça se fait qu'ils sont si lents? C'est quoi? C'est la mise à jour? C'est quoi? C'est bizarre, quand même, hein. Tiens, on arrive où, là? On arrive à la mairie, je crois, là, non? Oui, ça, c'est l'entrée de la mairie. On va zapper, on va essayer d'aller sur l'entrée du Big Wham. On va aller à la sortie du Big Wham. C'est le métro le plus lent du monde. Je ne comprends pas pourquoi cette lenteur. Je ne comprends pas. Pourquoi cette lenteur? Un métro électrique qui ne sert à rien. Ah, ça y est, j'arrive sur l'entrée du Big Wham. Parfait. La sortie du Big Wham. Je vais sortir. Voilà, je vais plus vite à pied, sans déconner. Donc c'est ça. Avenue du Big Wham. On va sortir ici. Oh là là, la pluie. La pluie redouble d'intensité. Monsieur le maire s'impatiente. Il attendait son rendez-vous impatiemment. Et au final, rien du tout. Je pense que j'en toucherai deux mots à monsieur de la courge. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus. On va faire une petite vue du top-top. On peut pas passer par là. On ne peut pas passer. On est dans la merde. On va essayer peut-être de passer par le... On va essayer de passer peut-être par le tunnel, tiens. Le tunnel qui amène à la statue du Top-Top ou pas? Non, il amène à la taverne. Il amène à la taverne. Où on peut aller? On va faire une vue d'ensemble sur le Top-Top, mais là, je suis assez déçu de Monsieur de la Couche. Monsieur de la Couche, c'est inadmissible ce que vous faites. Je trouve que le jeu lag à mort quand même. Hein. Je pense qu'il est temps de changer. Je pense que c'est le dernier live sur PS4. Il est temps de passer sur PS5, parce que là, j'ai vu la différence avec Jak and Daxter. C'est fou qu'une console a du mal à faire tourner un jeu qui date de l'année PlayStation, quand même. C'est un peu déconné, je trouve. La framerate n'est pas trop engagée. On est protégé sous les ailes du dragon. Ne vous inquiétez pas. Je vais envoyer un SMS à Monsieur de la Cour. On va l'envoyer en direct. On va l'envoyer en direct. SMS. Monsieur de la Couche. Monsieur de la Couche. Nous avions rendez-vous. Je dis nous avions. Parce que c'était du passé. Nous avions rendez-vous. Votre retard est inadmissible. Votre retard est
est inadmissible. Alors là, monsieur le maire n'est pas content. Pour un homme de votre rang. Pour un homme de votre rang. Alors là, ça va pas lui plaire, je pense pas. De votre rang. Envoyé. Non, j'avais dit quoi? Votre comportement? Votre... J'avais mis quoi à la place des étoiles? Votre... est inadmissible pour un homme de votre rang. Votre retard, j'avais mis. Pourquoi retard et censuré? Je ne comprends pas. Salut le diable des Whammer, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Comment ça va dans le chat? Monsieur Delacouche. C'est inadmissible. Entre cette pluie incessante. Je ne la supporte plus. Je vais retourner à la mairie. Si je vais essayer de pas me tuer. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Par contre, elle est buggée cette araignée là. Le jeu il est buggé les gars. L'araignée invincible. C'est abusé quand même. C'est abusé. Ça m'est déjà arrivé de faire un live où il a fait que pleuvoir. Je pense qu'on est parti pour. Hein. Je pense qu'on est parti pour. Hein. Salut Fibrox, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, Fibrox. Toujours rien, pas de réponse de Monsieur Delacouche. Inadmissible. J'ai rendez-vous avec Monsieur Delacouche, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est une véritable honte. C'est une véritable honte. C'est inadmissible. Je suis là, j'attends dans mon bureau. Monsieur Delacouche n'est toujours pas là. Très insatisfait, monsieur le maire. Ça va nickel, je te remercie, Fibrox. Je te remercie beaucoup. Alors, on est sur du Minecraft RP. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Delacouche qui m'invite dans son manoir. Et il est en retard. Je tiens à dire que monsieur le maire est très insatisfait. Monsieur le maire du One World. Et comme tu es, comme tu n'as jamais vu notre map sur Minecraft, je vais te la présenter le temps que monsieur Delacouche prenne contact avec moi. Alors on a construit tout d'abord un palais. Je ne sais pas si tu connais Minecraft. On a construit un palais en survie. Donc si tu connais Minecraft, si je te dis en survie, ça doit te parler. Parce qu'il y a le mode il y a le mode créatif et le mode survie. Pour le mode survie, il faut construire tes pierres une par une, les stocker et les monter. Et c'est l'architecte qui a construit ce magnifique palais se nomme Evanco. Il n'est pas présent ce soir et je tiens à respecter le travail qu'il a fait. Est-ce que Modo pourrait me mettre le beau temps, s'il vous plaît? Parce que c'est ignoble pour faire une présentation comme ça. Si ça gêne pas au RP qui pourrait se produire. Et là, franchement, un gros boulot. Vraiment un gros boulot. On a fait un jardin derrière. Un jardin pour le palais extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup pour l'arrêt de la pluie. Un grand merci à vous. Un magnifique jardin avec une terrasse à l'arrière, avec une pergola. Extraordinaire. Une voie ferrée qui part du château et qui traverse toute la ville. On peut voir la ligne ici qui fait ça, 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 ça. Merci beaucoup Anto, merci beaucoup.
ici. Elle va loin, la voie ferrée, elle va très très loin. Chaque joueur qui est venu sur la map a construit sa maison, Fibrooks. Nous avons construit la première statue du Wham World, puisque cette map se nomme le Wham World. C'est noté ici d'ailleurs, c'est noté ici là au fond. Il y a eu beaucoup de travail, Fibrooks. La première statue qui a été créée dans le Wham World, une statue affreuse en haut d'une colline avec un organe génital qui a été rajouté il y a quelques semaines, parce qu'on trouvait ça marrant. Ensuite, une des premières maisons aussi qui a été construite dans le Wham World, c'est cette fameuse petite maisonnette qui sert maintenant d'entrée du métro. D'ailleurs, elle a été détruite, la maison là. Faudra prévenir Dr. Nintendo là. Ou alors, est-ce normal les trous? Je n'avais jamais remarqué. Donc on l'a appelé la maison avec la queue de scorpion. C'est plutôt pas mal, j'avoue. Ensuite, on a créé une poste. On a créé un jardin en plein centre-ville aussi. Donc toutes les maisons que vous voyez, ce sont des joueurs qui ont rejoint la map. C'est facile, pour rejoindre la map, il suffit juste de follow la chaîne et de me donner son gamertag, son pseudo PSN, son pseudo Switch, et n'importe qui peut rejoindre la map et venir construire sa maison dans le Wham World. Alors notre entrée pour le Ender est là. Ici on a la maison d'Evanco. Merci beaucoup pour le message, le diable des Whammer. Merci beaucoup. Alors la poste, c'est extraordinaire parce qu'on a un facteur qui n'est jamais présent d'ailleurs, qui est au chômage. Et on venait ici, on tapait sur la cloche. Putain, le jeu il bug, je trouve. Parce qu'il y a un putain de décalage. Voilà. Et le facteur venait, on lui donnait le colis et il allait le livrer chez la personne. Et ce sont des portes automatisées. C'est-à-dire que la journée, les portes s'ouvrent et la nuit, les portes restent fermées. Donc on peut rester enfermé dans la poste. Nous avons créé... Alors on avait aussi un genre de moulin là-bas. Non, un genre de... Ouais, c'est un moulin. Un moulin à vent, effectivement. Le moulin à vent, on avait un boulanger qui, avec toutes ses cultures, nous créait du pain. Et on avait juste à venir ici. Servez-vous, c'est les choses que je veux pas. Et il avait noté également, prenez-en, mais pas trop, merci. D'ailleurs, est-ce qu'il reste... Voilà, il mettait toutes ses récoltes dans le coffre et ici, on venait et nous livrait le pain. C'était plutôt pas mal. Hein. Et le top-top, le Diable des Whammer, effectivement, le top-top, c'était pas mal du tout. Ensuite, nous avons construit le top-top, tu fais bien de me le dire. Putain, mais il fait que pleuvoir dans ce Wham World, sans déconner. Hein. Il fait que pleuvoir. Je tiens à dire que nous avons créé à 70%. Non, le ratio, il a baissé. Hein. Je pense que c'est maintenant 65%. Non, 70%. 70%, voire 80% du Wham World a été créé en survie. Et c'est... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un truc en l'air, là. Ok, j'ai vu un esprit. Bordel de merde, j'ai vu un esprit dans les cieux. Oh my god. J'ai vu un esprit. Qu'est-ce que c'était dans le ciel? Bon, je vais reprendre ma... Salut, Lucaser. Oh, il est chaud ton pseudo. Lucaserl. Je vais t'appeler Lucay. Salut à toi, Lucay. Bienvenue à toi dans le One World. C'est Lucaserl.
Je vais dire Lucay. Je vais dire Lucay. Bienvenue à toi, Lucay. Alors, le Top Top, on l'a construit, si je me souviens bien, le lendemain de l'annonce de la PS5. Je m'en souviens parce que lors de sa construction, j'avais fait un overlay avec la... On regardait en même temps la conférence PlayStation lors de la construction du Dragon. Ça faisait partie d'un des projets du Wormworld. Alors on a décidé de le mettre en haut de la colline, surplombant tout le Wormworld, avec bien entendu l'écriture WAM par la suite. WAM pour la suite, il y a moyen que tu passes en survie, s'il te plaît. Oui, tout à fait, tu me diras quand. RP Minecraft, tu fais du RP avec des gens ou tout seul? On fait du RP avec des gens. C'est juste que j'attends. J'ai rendez-vous avec quelqu'un, Lucay, mais il n'est pas toujours là. Ben, tout de suite, allez, ben, je passe en mode survie. Je passe en mode survie, ça y est, le RP commence. Hop, je passe en mode survie. Parfait. Je passe tout le Wormworld en mode survie. Non, juste moi. Juste moi. Donc, je présente le Top Top. On avait mentionné... On avait mentionné... Pas mal, beau jeu. Ah, ben oui, c'est vraiment... on est à l'épisode 81. Hein. Sache qu'on a fait 2 heures par live. L'épisode 81. Attends, je t'ai pas montré encore le théâtre, Fibroux. Hein. Monsieur Lacour, attends, monsieur Le Glaire au Capitole. Oh, ça y est, mon rendez-vous est arrivé. Puisque je l'ai attendu, il va m'attendre 2 minutes. Quand le dragon gueule verte montre les dents, gare à ceux qui le déshonorent. Et pour joindre la carte, il faut juste filer le pseudo. Oui, tout à fait. Il faut juste me filer le pseudo. Et bien sûr, lâcher un petit like pour la chaîne. Monsieur Delacour attend. Je l'ai attendu pendant... Ça fait combien de temps? Je l'ai attendu une demi-heure. Il va m'attendre que je fasse la visite du théâtre. Alors le théâtre, magnifique théâtre, construit par Dr Nintendo, que tu as pu croiser, Fibroux, sur Jack and Dexter. Et voilà, c'est lui qui a construit ce magnifique théâtre. Je vais essayer de montrer du troisième étage. C'est plus intéressant. De plus haute importance, je vais vous rejoindre, monsieur de la Courge. Je vais vous rejoindre, ne vous inquiétez pas. Heureusement que j'y suis pas allé de suite, parce qu'il s'est déconnecté. Alors, du troisième étage, ça donne ça. Ah là, on est carrément dans les loges. Ah ouais, les loges, truc de ouf. On est au niveau du lustre. Regardez-moi ça. Je vais essayer de faire une vue comme ça avec les 3 étages. Il y a encore les taches de sang. Oui, tout à fait. Regarde-moi ça, c'est un truc de... Il a fait un boulot de malade. Vraiment un boulot de malade. Regardez-moi ça. Et il y a des éclairages et tout, c'est incroyable. Bon, allez, go, on file. On retourne donc à la mairie. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Delacouche. Nous y allons tout de suite. Et le RP va pouvoir commencer. C'est par où? C'est par ici. Très bien. Allons-y. Âme sensible, s'abstenir. Je préfère vous prévenir à l'avance. Puisqu'il s'agit... je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé lors des épisodes précédents, je vais vous le résumer. Il s'agissait de Monsieur Delacouche qui était avec Martine. Monsieur Delacouche maltraitait Martine à coups de fouet. Martine s'est suicidée. Et j'en suis très attristé. Et Monsieur Delacouche est pour moi responsable. C'est pour ça que... Voilà, Monsieur Delacouche est ici.
Bonjour, attention, il est arrivé là. Bonjour, monsieur de la couche, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Comment... Monsieur Leclerc, comment allez-vous? Oui, cela va très bien. Comment vous sentez après le départ de madame Martine? Oh, simple départ, on va dire. Ah, une dame s'est suicidée par votre faute et vous vous en foutez? Non, ma faute. D'où sortez-vous ces accusations? Puis-je savoir? Ben, à chaque fois que je vous ai vu, vous étiez en train de la fouetter, la pauvre. Elle m'aimait, n'oubliez pas. Elle vous aimait, très bien. En tout cas, sachez que je vous en tiens responsable pour le moment. Vous êtes un homme irrespectable, donc alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, vous êtes respectable, mais pas trop quand même, hein. Alors, vous alors, on pas pris sur votre pour un homme de votre rang, je suis déçu. Venez. Et moi donc? Pourquoi vous dites ça? Attendez, on va rentrer dans mon... Alors, je vais rentrer dans mon bureau et vous allez faire toc-toc-toc. Et ensuite, je vous dirai... Entrons. Mais c'est inadmissible ce que vous faites. C'est inadmissible. Quelle... Aucune politesse, monsieur de la couche. Allez. Alors, du coup, suite la semaine dernière, on s'était entretenus, du coup. À la suite, du coup, je vous avais annoncé le décès de Martine et le jour de fête qui est aujourd'hui, n'oubliez pas. Pourquoi c'est un jour de fête aujourd'hui, pourquoi? Bah, c'est jour de fête, nos invités sont là. Ah oui, c'est vrai. Oh, vous m'aviez invité à une teuf au manoir, c'est vrai, exactement. Bon, je vous aime bien, finalement. Je vous aime bien. Voilà, je préfère qu'on est dans ces conditions-là. Oui, bien entendu. C'était Martine qui nous avait invité aussi à une fête, à vrai dire. Une petite fête de fantômes. Mais oui, bien sûr. Oui, il y avait des phénomènes paranormaux dans votre manoir, je crois. Est-ce que c'est toujours le cas? Ça s'est calmé un peu, là. Ah, ça s'est calmé. Bah, j'ai l'impression depuis que Martine est morte... Tout se passe pour le mieux, j'ai l'impression. Donc vous êtes heureux du départ de Martine, en fait? Oh, un petit peu, mais bon. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vois un truc dans la fenêtre, là. Oh là là. Est-ce que vous avez vu? J'ai vu. J'ai cru voir un fantôme. Oh là là. Vous entendez? Elle est à droite, ici. Ici, regardez là. Oh, au score. Messieurs. Oh là là. Elle est de retour. Au secours. Je suis de retour, effectivement. Vous avez prévenu la semaine dernière une petite fête. Ben, c'est parfait. La fête est prête. Oh là je vous attends donc dans mon manoir. Je vais vous y accompagner si vous voulez. C'est mon manoir. Non, c'est le mien maintenant. C'est mon manoir. Non, plus maintenant. Oh my god. Au secours. Oh my god. Il n'a jamais été de vœux. Allez, chut. Dégarpissé. Va des rétro, Satanas. Vous êtes préparé à cette fête? Oui, je vous ai dit. Oui, je suis prêt pour cette fête. Je suis prêt pour cette fête. Vous êtes bien habillé de ce que je vois, monsieur le maire. Oui, tout à fait. Je suis sur mon 31, comme d'habitude. Monsieur le maire n'est plus un maire de chez... Je vais vous dire que vos vêtements, peut-être qu'à la fin de la soirée, ne sont pas aussi intacts. Oh, ça me fait peur. Par contre, Martine, vous avez changé votre voix par rapport à la semaine dernière. Elle fait moins peur, tout de même. Elle a mué. J'ai un peu mal à la gorge. Ah, c'est pour ça. Parce que vous faisiez plus peur la semaine dernière avec votre voix. Oui. D'accord, très bien. Excusez-moi, je répare un peu la mairie. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh my god. Bah, c'est Martine, hein. Oh là là, je suis au niveau du lac, derrière le palais. Au secours. Oh là là, je vois de la fumée devant moi. Quelle étrangeté! Démon! Va des rétro, Satanas! Que se passe-t-il?
Je retourne. Où êtes-vous, Martine? Où êtes-vous? On est devant le Capitole. Fausse manipulation. Est-ce que vous pouvez me re-téléporter? Je reviens au palais. Ou sinon, si vous pouvez me téléporter... Voilà, magnifique. Merci bien. Mais vous avez pas peur, vous, monsieur de la couche? Mais non, c'est... Non, mais vous inquiétez pas. Il aura beaucoup plus peur après. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bisous, allez, avance. My God, qu'est-ce que c'est que ça? Votre village correspond bien au terme gueux. Hein. Ah ben, c'est clairement un organe génital. Bah oui. Quelle honte. Bon, le mien est plus gros. Le mien est plus gros. Hein. Avançons. C'est parti. Voilà, vous me faites peur, madame. Vous me faites peur, madame Martine, là. Hein. Moi, je vous aimais bien. J'ai essayé de vous aider. Vous vous souvenez? Pourquoi vous me tenez pour responsable? Oh là là, mais pourquoi vous me tenez comme pour responsable? J'ai toujours voulu vous aider. Je m'incline. Je m'incline. Je m'incline. Vous allez voir ce soir. Oh là là, j'ai peur. De base, je vous invite à une simple fête. J'ai peur. Prise des caméras, s'il vous plaît. Elle a rien fait pendant toute sa vie, donc elle va pas rien faire maintenant. Allons-y, suivons-la. Elle va à mon manoir, en plus. C'est parti. Une fête dans mon manoir. Vous me faites peur, vous me faites peur. Monsieur de la couche, vous parlez dans votre coude là, parce qu'on vous entend pas très bien. Il y a un petit peu de pas très bien. Il y a beaucoup trop d'orage. Oui, il y a trop d'orage en fait. On n'entend pas beaucoup avec cet orage. Ouais. Effectivement. Il faudrait muer votre voix, hein, monsieur de la couche. J'ai perdu Martine. J'ai perdu l'ectoplasme. Il est où? Oh là un ectoplasme. Je vous ai appelé l'ectoplasme. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non, c'est toujours pareil, mais il va falloir peut-être parler plus fort. Ah, je vois que l'orage s'abaisse. Alors attendez, peut-être que ça vient... Non, ça ne vient pas de moi. Très bien, allons-y. Ah, tant mieux, allons-y. Elle veut quoi le visage aussi que mon tube de dentifrice là? Il y a quelqu'un qui vous aime pas, madame Lamartine. Moi, je vous respecte, je vous respecte. Bah, moi, je vous respecte pas. Pourquoi? Avancez. Mais pourquoi? Vous avez vu que j'ai toujours essayé de vous défendre avant votre suicide. Vous avez dit. Vous allez pas pouvoir vous racheter comme ça. Très bien, je me tais, je me tais. Ah, mais ne... ce n'est qu'une catin, vous pouvez lui parler. Ah, qu'est-ce que vous avez dit, monsieur de la couche? Non, mais il fait le malin. Il fait le malin, tombe dans le ravin. Vous allez tomber, vous allez voir. Moi, j'ai entendu une insulte style parapapé péticienne. Hein. Attention. Parapapé-pépéticienne, oui, ça? Oui, tout à fait. Péripapéticienne, peut-être? Oui, parapapé-pépéticienne, ah, tout oui. À fait. On fait attention. Oh là là, oui, je les avais perdus. Ils sont partis bien loin. C'est vos chevaux? Oui, ce sont mes chevaux, oui. Ils vont très bien avec vous, hein. Ils sont très bien décorés. Hein. Ils s'associent très bien avec vous. Merci beaucoup. Vous êtes très élégante de vos cheveux, madame Lamartine. Eh ben, vous êtes moche. Vous êtes moche, monsieur. Allez, avancez. Vous me respectez pas. Vous avez vu? Vous faites ridiculiser. C'est vrai. Ça y est, j'arrête, monsieur de la couche. Je ne la défendrai plus jamais. Je suis déçu. Vous voyez? Vous aviez raison, monsieur de la couche. Pourquoi je l'ai maltraité pendant des années? Ah, je comprends tout à fait maintenant. Et vous lui en avez pas assez donné, même.
bah vous voyez. Allez. Si je vais vous en donner ce soir si vous voulez. Mais bien sûr, mais bien sûr, elle va rien faire du tout. Elle va rien faire du tout. Allons-y. Nous ne volons pas, Madame Lamartine. Alors faites attention. Faites attention. Si vous voulez, je vous plaît, vous allez voler tout comme moi. Non, ça ira, très bien. Arrêtez-vous pas, vous aurez marché. Oui, c'est bon, je vais marcher, ne vous inquiétez pas. Non, mais je m'inquiète pas. Attention au trou. Oui, sautez. Allez-y, sautez. Elle me fait peur. Allez-y. Là, vous voulez que je saute d'ici, Madame la Fantôme? Non, je n'oserais pas. Pas trop près. Ne vous mettez pas trop près, s'il vous plaît. J'ai peur. Arrêtez. J'ai peur, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Non. N'ayez pas peur. Hop, j'y vais doucement. Allez, hop. Saute. Je ne suis pas mort. Oh là 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 là. Je ne suis pas mort. Alléluia, mes frères. Je ne suis pas mort. Dommage. Vous me dégoûtez, Madame la Fantôme. Allez-y, avancez. Le manoir est encore loin. Monsieur de la couche. Ma maison. Monsieur de la couche aurait dû vous faire manger ce qu'il avait dans les couches. Bah, j'ai pas de couche. J'ai jamais vu les couches de la cour, mais elles doivent être bien remplies souvent. En tout cas, j'ai vu des tiennes, Martin. Dans la chambre, je les ai vues, hein, Martin, la dernière fois. Je sais pas ce que tu faisais dans le lit, mais. Ah, c'est secret, ça. Alors, on rentre dans la privée. Oui, bah, écoute, qu'est-ce que vous faites? C'est bon, allez, avancez. Le fait de raconter des histoires indiscrètes, c'est ça qui me fait rire, parce que vous voulez garder ça en privé. Bah oui, mais c'est Martine, écoutez. Hein. Ah, j'aime pas trop qu'on dévoile mes petites intimités comme ça. Ça me gêne un peu. Oh putain. Très bien. Dans la chambre, sur le bureau, j'ai trouvé un truc qui ressemblait à un organe. Excusez-moi, Martine. Attendez, monsieur Delacour, s'il vous plaît. Je vous respecte, monsieur Delacour. Vous êtes un homme de haut rang. Vous avez trouvé sur le bureau, vous m'avez dit? C'était rose et c'était long. Voilà, je ne dirai pas plus. C'était rose et c'était long. Très bien. Je ne veux pas savoir, finalement. Vaut mieux pas. Ouais, si vous voulez, j'ai quelques photos. Quelques photos? Ça va, Martin. Attendez, madame la fantôme, madame la fantôme, je suis désolé. Non, tu vas pas lui montrer des photos pendant l'acte non plus. Allez, avance, Martin. Vous me faites peur, arrêtez. Allez, on y va. Ah, vous allez voir nager un petit peu ou alors on fait un petit détour de son côté. Il est loin. Il est loin, votre manoir, je trouve, là. Vous êtes extrêmement loin. Vous voulez être moins dégueu, quand même. Moi, je viens de très loin, moi. Est-ce que vous pouvez me porter J'aurais dû prendre mon mulet. Sachez-le que j'ai un mulet. J'aurais dû prendre un mulet. Allez-y, le plongeon. Allez-y, ça fait dans l'eau. Non, oh là là. Oh là là. Non. Allez-y. Non, s'il vous plaît. Non. Non, je dirais pas, je ne veux pas mourir, madame. Mais c'est de l'eau. C'est à 8 mètres. Allez, un bon 10 mètres. Bon, allez-y, on monsieur de la cour, allez-y en premier. Et allez. Oh là 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 là. Et à vous, monsieur. C'était beau. Madame la fantôme, avant de mourir... Ah, c'est pas moi, si vous voulez. Je peux sauter sur vous? Ah, mais oui. Très bien. Reculez un petit peu. Alléluia! C'est bon, je ne suis pas mort. Oh. Je ne suis pas mort. Ça me fait extrêmement... On s'approche encore 2 petits kilomètres, je dirais. 2 petits kilomètres, mais ça fait loin, là, quand même. Pour arriver à votre manoir. Attendez, regardez, on s'approche de la forêt. Notre demeure se situe très exactement dans cette forêt.
C'est parfait. Et oui, oui, ma demeure que j'ai acheté avec mes parents. Ah, non, non. Oui, votre demeure, c'est ça. Oui. À part jouer avec des jouets violets, hein, elle n'a rien fait. C'est le seul cadeau que vous m'avez offert aussi. Oh, mais bien sûr. C'est le seul cadeau que vous acceptez. Monsieur Leclerc. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Ah, ma fête va être géniale. Vous allez voir, j'ai Donald Trump. Votre fête ? Oui, ma fête. Ben oui, c'est la fête de Monsieur de la Cour. C'est lui qui m'a invité depuis 3 semaines. Sans blague. Vous avez fait quoi à part jouer avec des jouets en violet ? C'est toujours tout droit ? Ah, je suis pressé là. Je commence à avoir soif là, donc je me dépêche. Le chemin est quand même ardu, hein. Ah, va falloir passer un petit peu trop à gauche. On va tourner un petit peu sur le chemin, suivez-moi. Sur la droite, sur le chemin, mais il n'y a pas de chemin. Le chemin est... Oui, Martin, vous n'avez pas d'yeux. Ah, déjà, ici. Espèce d'ectoplasme ambulant. Allez, bim, prends ça. Vous ferez moins de malin après. Mais bien sûr. Mais bien sûr, il a raison, monsieur de la cour. Il ne vous a pas assez fouetté pendant toute votre chienne de vie. Je tiens à vous dire. Je tiens à vous dire mon mécontentement. Allez-y, vous pouvez toujours me fouetter, hein, vous avez fouetté l'air. Je me plaindrai au syndicat des fantômes. Ne vous inquiétez pas. Partez un peu loin, monsieur. Est-ce que vous avez un syndicat de fantômes, madame? Pas besoin de syndicat. Madame Lamartine, vous avez un syndicat de fantômes ? Oh. Hop, nous sommes arrivés. Oh là là. C'est à moi ou non, c'est plus. Oh là là, attendez, il se passe quelque chose là. Je crois voir une porte. Oui, c'est bien une porte. Restez, n'avancez plus. Je n'avance plus. Bon, moi je vais aller au chat. Bienvenue dans mon manoir. Allez-y, de la cour. Mon manoir. Je vous rejoindrai après. Bienvenue dans ma très belle demeure qui va se trouver juste en face de vous. Petit chemin, petit jardin, petite clôture, petit grillage. C'est ma demeure. Taisez-vous. Ma demeure. Laissez-moi présenter ma maison. C'est ma maison, donc voici ma maison avec vos grillages. Ah là là, c'est vos chemins que j'ai fait de mes propres mains, avec mes outils de jardinage. Avec votre tronche de Frankenstein aussi. Allez-y, allez-vous mettre dans le canapé, vous foutez jamais rien de toute façon. Allez, casse-toi Martine, venez. Madame la fantôme, je tiens à vous dire que j'ai reçu un SMS qui dit... Oh, tu parles pas comme ça au maire, la dame blanche. T'es meilleur en dessert, la grognasse. Qui c'est qui parle comme ça? Je n'ai pas le droit de dévoiler mes sources, madame la dame blanche. Vous me faites peur, ne me regardez pas comme ça. Ne me regardez pas comme ça, vous me faites peur. Oh là là, il y a des taches de sang. Ah bah, ça c'est un peu pris moi aussi, j'aimerais que c'est ce mois-ci. C'est ignoble, vous avez laissé vos traces de menstruation au sol. Oui, mais c'est tout mince. Enfin bref. Je ne savais pas que les ectoplasmes avaient des menstruations. Bah, vous le savez maintenant, bon, ça n'arrête pas de couler, c'est... Bon, vous m'avez mis sur vos pieds, je suis désolé. Très bien, je vous excuse, mais je n'excuse pas tout. Donc, vous allez pouvoir venir dans le manoir à partir de maintenant. Je vais vous laisser. Donc, vous suivez le sentier. Bon, je vous préviens tout de suite. Il est possible que le portail soit fermé. Donc, si c'est le cas, eh bien, vous allez devoir trouver un autre moyen pour pouvoir rentrer. Mais je ne sais pas si de la cour avait pensé à fermer le portail ou pas. Je ne m'en souviens plus. Et étant un fantôme, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Donc, ce sera à vous de voir. Je dis donc à tout à l'heure, on se rejoint dans le manoir pour la petite fête. Très bien, c'est une très mauvaise, quand même, c'est un très mauvais accueil pour les invités. Ça y est, elle a disparu.
Oh putain, elle a disparu, la vilaine. La dame blanche de... La dame blanche de Wish. Bon. Où est l'entrée? Je crois que c'est là. On va suivre les traces de sang. Putain. Il n'y a plus de traces de sang. Maintenant, je suis le sentier. Si. Il y a quelques traces de sang encore un petit peu. Je suis le sentier. Mais c'est dommage. Je ne sais pas où je suis. Je ne vois pas très bien. On va suivre le sentier toujours. Oh là là. Oh putain, oui, le portail est là. Oh my god, le portail est là. Je ne peux pas l'ouvrir, effectivement. On va essayer de longer par la droite. Oh putain, non, oh là là, je croyais que c'était un monstre. C'était qu'un buisson, bordel de merde. Je me sens seul. Je me sens seul au monde. Ça fait peur. Je me sens en stress. Je peux pas y aller. Je peux rien détruire. Je crois que j'ai un bug. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Ouh là là, elle est de retour. La dame blanche, j'ai cru voir la dame blanche revenir. Bon, c'est peut-être pas par la droite. On va essayer de passer par la gauche. Coup de pression. On va essayer de longer par la gauche. Il y a quelques trous. Faudra appeler le jardinier, là. Hein. C'est bloqué aussi, ici. Oh mince! Le portail est fermé. Derrière vous. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce que vous faites là? Quel dommage, le portail est fermé. Oui. Ah là là, bon bah... Normalement, c'est possible qu'il y ait des souterrains, par là, je sais plus trop. Oh là là, vous allez me faire passer par les égouts, sans déconner, alors, que, alors que je suis invité. Oh, désolé, c'est... Je suis désolé, mais oui, le portail est fermé, je ne vais pas avoir les moyens d'ouvrir, donc on va faire trouver un chemin. C'est ignoble. Peut-être que c'est pas impossible que peut-être que les traces de sang vous emmènent. C'est le SMS. Jusqu'aux catacombes. Attendez. Les catacombes. Où est l'entrée des catacombes? La dame blanche de Daft Punk. Suivez les traces de sang. Oui, mais elles vont me ramener à la sortie. Ah, je vous vois là. S'il vous plaît, madame... Démerdez-vous. Non, madame Lamartine, chantez-moi one more time, s'il vous plaît. Elle veut pas me chanter. Sinon, rock, robot rock. Bon, démerdez-vous, elle m'a dit, elle s'est barrée comme ça. Attendez. Oh là là, oh là là. C'est peut-être par là. C'est peut-être par ici. Putain, ils sont sérieux, ils me font passer par les catacombes. Oh putain, mais par où ils me font passer, sans déconner? C'est une honte. Je suis en train de salir mon beau costard. Oh là là, j'entends des bruits peu orthodoxes. Bonjour messieurs. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai vu, la dame blanche était là encore. La source, c'est le Mont Blanc, comme le teint sur son visage. Enfin, vu qu'elle joue avec des trucs roses et longs, ça serait plutôt le Mont Gland. Attention. Je m'enfonce dans les catacombes. Oh là là, oui, il y a encore des traces de sang. Oh là là, oh là là, elle est là. Oh là là, elle est là, elle a disparu, elle a réapparu. Oh là là, elle disparaît. Oh my god, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'y vais? Je veux rentrer chez moi. Et je ne peux pas reculer. Oh là là, qu'est-ce que c'est qui coule? Oh là là, elle est là. Au secours. Qu'est-ce que c'est que ces bruits là? Je
Je suis en stress. Oh là là, mais comment ils ont fait pour... J'ai cru entendre la voix d'un ogre. Oh là là, j'ai cru entendre la voix d'un ogre. Ça me fait peur. Oh là là. C'est Ronaldo, on m'a dit. C'est Ronaldo. Ah, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas marcher à quatre pattes. Je vais revenir. Attendez, c'est peut-être par là. Oh là là, c'est ici. Elle est là. Elle disparaît. Madame la dame blanche. J'ai tout fait pour vous. Oh là là. Des toiles d'araignée maintenant. Qui ralentissent ma progression. Oh là là. Une araignée géante. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, il bouge. Je l'ai vu bouger. Il bouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sors mon épée. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Les griffes, regardez-moi ces griffes de 20 cm. Oh là là, il a disparu. Pire que dans le Seigneur des Anneaux. Putain, je peux pas passer par là non plus. Non, on va passer par là, j'ai pas le choix. Je vais passer par là où il y avait le... l'araignée géante. J'ai l'impression qu'on ne peut pas passer non plus. Oh putain. Où sont-ils? Je dois faire ça pour le One World. Phénomène paranormaux. On va descendre. Oh là là, on descend jusqu'au centre de la Terre, là. Ce n'est pas possible. Je sais pas si je suis sur le bon chemin. Ça doit être par ici, certainement. J'avance doucement. Comment ? Ça... Je m'enfonce de plus en plus. Non, c'est pas par là. C'est pas par ici. Il n'y a plus de nouvelles de ces ectoplasmes et démons sataniques. Oh putain. J'ai entendu un bruit. Oh putain, des têtes de mort. Bordel de merde, des têtes de mort. On arrive sur un lieu satanique. Va de rétro, Satanas. Va de rétro, Satanas. Je te désinfecte avec du gel hydroalcoolique. Je te désinfecte. On dirait ma grand-mère en fin de vie. C'est pas par là. Peut-être par ici. Oh, attendez, un levier. Est-ce que je dois appuyer? Peut-être, oui. Ça va ouvrir peut-être un mur. Oh putain. Ça a ouvert un passage. Est-ce que je dois y aller? Oh là là. Madame la Martinella. Vous en avez mis du temps. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez moi. Alors, bon, c'est chez qui là? Va falloir m'expliquer clairement. C'est chez moi. C'est chez les ectoplasmes et les démons ou c'est chez vous, monsieur de la Courge? Parce que je ne peux pas tolérer un manque d'accueil diplomate à ce point-là. Désolé. Non, mais n'écoutez surtout pas Martine. Vous êtes sûr que c'est chez vous? Confiance. Taisez-vous, Martine. Vous êtes sûr que c'est chez vous? Oui, c'est chez moi. Effectivement, c'est chez moi. Si vous voulez, par contre, je peux vraiment vous donner cette demeure, vous pouvez aller. Comment? Vous voulez vraiment que cette demeure vous appartienne? Oui, mais ça a toujours été la mienne, donc pas ma part. Vous faites le mal. Hein? Vous faites le mal. Bah, bien sûr que oui. Vous savez quoi, Martine?
Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Je peux pas venir. Restez dans la cheminée. Oui, je reste. Je suis dans la cheminée. Je vous rionnais. Ok, mais vous l'avez mérité. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des giclures de sang. Allez. Adieu de la cour. De la couche. Monsieur de la couche. Oh, j'entends des cris. Oh là là, mais sortez pas du noir comme ça. Vous me faites... Bon, ça n'est fini pour de la cour. Comment ça? Vous l'avez assassiné? Bien sûr, je n'ai pas qu'assassiné, j'ai démembré même carrément. Ah, c'est ça, les bruits de giclure de sang que j'ai entendus. Vous serez jugé au tribu WAM. Vous avez vu la photo, vous pouvez vraiment nous faire peur. Nous pouvons juger tout le monde. Je vais vous laisser rentrer, vous allez visiter un petit peu le salon. Il y a quelques petites traînées de sang par terre. Si vous pouviez les suivre tout d'abord, ça va vous mener jusqu'à un endroit avec un livre à lire. Allez-y. Oh, je vous laisse visiter notre humble demeure, du coup. Oh my god, il y a des têtes à manger au dîner. Bordel de merde. Oh, j'ai envie de vomir. Il y a des os à manger. Des os de restes humains. C'est ignoble. Un cerveau à becqueter, de la viande avariée. Oh my god, mais je suis dans la maison des fous. Oh, ce sont les restes de Monsieur Delacour. Je reconnais sa tête. Il a enlevé son maquillage. Oh, on va pas manger Monsieur Delacour tout de même. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas son organe génital, quand même. Ça, ce ne sont pas ses bourses. Ça, elles sont là, ces bourses. C'est une honte. Elles bougent encore. Oh non. C'est ignoble. Je vais suivre les traces de sang. Donc là, j'arrive de la cheminée. On est dans le manoir des Becker. Ce n'est pas possible. Oh là là, j'arrive dans une bibliothèque. Oh! Mais arrêtez de me faire peur comme ça. Je vous laisse lire mon livre. Est-ce que je peux lire une invocation? Va des rétro, Satanas. Va des rétro, retourne. Retourne d'où tu viens. Retourne. Retourne dans l'esprit du malin. Ça ne marchera pas. Ah, putain. Pas sur moi, en tout cas. Vous allez me hanter combien de temps, la Dame Blanche? Allez, je vous laisse. Oh là là, elle a disparu comme ça. Ça me fait peur. Quand elle traverse les murs comme ça. Elle se barre comme ça, elle me laisse en galère. Et vous pouvez lire le livre, je le répète. Lisons le livre, du coup. Oh là là. Oh là là, que se passe-t-il? C'est un livre satanique. Avec des dialectes incompréhensibles. Tu ne comprends pas mon message. L'écrire du sang de Jeannette de la Cour devrait sûrement le rendre visible. Tu te trouves dans notre manoir, pas celui de ces prétendus de la Cour qui s'y sont installés. Nous sommes entre morts ici et nous n'avions pas prévu l'arrivée d'un mortel. Notre soirée risque d'être compromise, ou au contraire, risque d'être palpitant. Oh putain, dans quelle galère je me suis engagé là, j'aurais jamais dû accepter ce rendez-vous satanique. Je savais que ça allait mal se passer, putain. Je savais. J'espère
que je sortirai quand même de ce manoir vivant. Je l'espère sincèrement. C'est mal parti. Madame la Dame Blanche, Martine, êtes-vous là? Je vais tourner la page et voir ce qui s'ensuit sur le livre. Dans tous les cas, amuse-toi bien avec nous. Prends simplement garde à ce qu'il se passe autour de toi. Je ne suis pas un farceur. Mais mes comparses aiment jouer avec des êtres gorgés de vie dans ton genre. Amicalement, Sir Leonard Nintendo. Oh putain. Oh, au secours. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh my god. Un Zombax. Il a disparu. Putain, il a disparu. Oh my god, qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ce manoir diabolique? Va des rétro, Satanas. Aime-moi tuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Elle m'a tué. Elle m'a tué? Elle m'a tué, je crois qu'il pleure. Il est dans le désespoir, en fait. Et où, je ne le vois pas. Elle vient de me tuer. Elle m'a tué, il m'a tué. J'ai du mal à le comprendre. Où vous êtes? Où vous êtes? Monsieur, je crois que vous êtes dans un grand désespoir. Vous êtes mort depuis quelques années, il me semble. Où est-il? Pourquoi moi? Oh, il est là! Pourquoi moi? Pourquoi moi, il a dit? Je suis là, je suis là. Est-ce que je peux vous aider? Monsieur de la cour. Vous êtes monsieur de la cour? Oh là là! Je suis réincarné. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est ce qui me reste de mon corps, voici ce qu'elle m'a fait. C'est tout ce qui reste de votre corps? C'est ce que vous voyez devant vous. Oui. C'est moi. Ah bah, regardez mon visage qu'elle m'a fait. Vous avez plus la tête de Frankenstein. Vous avez la tête... Vous trouvez ça drôle? Oh non, 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 pas du tout. Ne prenez pas cette voix comme ça, vous me faites peur. Quoi? Avancez, avancez vite avant que ce soit votre tour. Je ne vous entends pas bien, monsieur de la cour, je suis désolé de ce... Avancez avant que ce soit votre tour. Et vite. Oh là là. Avancez avant que ce soit votre tour. Oh là là, vite. Voilà, il a disparu lui aussi. C'est vrai qu'il est beaucoup plus beau comme ça. Hein. Bon, avancez. Vous allez mourir. Je vais mourir? Putain, oh putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde, je sais pas où aller. Je répands mon sang à travers vos âmes. Oh putain, hein, mais sans déconner. Où je vais? Je suis les traces de sang. Je reviens sur la table. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god, j'ai une tête. C'est ma tête. Oh, c'est la tête. C'est sa tête. Oh, c'est la tête de monsieur de la cour, bordel de merde. Oh my god, ils y ont été franchement là. En plus, ils lui ont retiré le cerveau, je crois. Le dîner est servi, mais qu'est-ce que je fous là, sans déconner? J'aurais dû venir avec des gardes du corps, bordel. J'avance où? Oh là là. Suivez derrière vous les traces de sang. Les traces de sang. Je suis les traces de sang. Je vous suis, vous êtes où? Vous n'êtes plus là. Là. Oh là là, oui, c'est bon, bonjour. Je vous suis. Venez. Allez, entrez.
Ah là, j'arrive dans une salle, qu'est-ce que c'est ce bordel? Courez maintenant, courez. Je cours. J'accours. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un couloir sans fin, ce couloir, bordel. J'ai l'impression que je repop. Oh, qu'est-ce que vous faites là? C'est un couloir sans fin, bordel. Ce couloir ne s'arrête jamais. J'ai l'impression que je suis téléporté au début du portail, à chaque fois. Au début du couloir, je suis re-téléporté. C'est pas si bête alors. C'est un portail sans fin, c'est pas possible. Tout se sent perdu. Faites au moins un don. Vous aimez bien ce couloir? Ben, c'est un peu étrange, je cours, j'accours, et j'arrive jamais au fond de la cour. Oh putain, il m'a fait peur. Oh putain. Vite, encore, fonce. Oh là là, il y a des trucs qui tombent du plafond. Oh putain. Oh là là, il me traverse. Courez tant vous pouvez encore. Je cours. Qu'il est stupide. Qu'il est bête. Ah, ces humains. Oh là là, attendez. Hop, il y a quelque chose en haut. Non, il n'y a rien. Par contre... Oh, j'ai cru voir quelqu'un là. Il y a des apparitions. Démon stupide. Mais c'est un couloir sans fin. Alors réfléchissez. Si c'est un couloir sans fin, à votre avis? Ah ben... Si c'est un couloir sans fin, je reviens en arrière. Tout simplement. C'est une bête alors. Reviens dans le couloir. Attendez. Si c'est un couloir sans fin, je vais passer dans un trou qu'il y a sur le côté. Il y avait un trou tout à l'heure sur le côté. Si c'est un couloir sans fin, je reste dans le couloir jusqu'à la fin. Au secours, mais qu'est-ce que c'est que ces voix? Je suis très impatient. Je suis très impatient. Oui. Vous l'aviez trouvé pourtant. Qui sont bêtes, ces humains? La bonne réponse. Oh là là, il y a quelque chose ici. Il y avait un trou ici, il y a un instant. Ah, bah dis donc. Bizarre. Oh là là, ils sont là! Au secours! Ils sont là! Dans le trou. Oh, qu'il est bête. Et ça se prédit, monsieur le maire. Il est là, le trou. J'y vais. Oh, bah c'est bête, finalement. Putain, c'est... Il y a un escalier. J'ai pas la place d'aller ailleurs. De toute façon, je suis obligé de le monter. Où je vais atterrir? Oh là là, une porte devant moi. Je reviens dans le même couloir, j'ai l'impression. Non, ce n'est pas le même couloir. J'ouvre la porte. Double porte. Oh. Oh là là. Un tapis rouge. Oh putain. Ceci est un téléphone. Oh. Ça fait peur. Au secours. Allô?
Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un au bout du fil? Au secours, je suis dans un manoir hanté. Venez me sauver, s'il vous plaît. Oh là là, il marche pas ce téléphone, bordel. Il raccroche tout seul. Allô? Allô? Au secours? Au secours? Oh là là! Elle est là! Elle est ici! Quel dommage, le téléphone ne marche plus. J'ai coupé les fils hier. Oh là là, là, couper les fils, on est dans la merde. On est dans la merde. Elle est affreuse, elle est affreuse. Elle va me pourrir la vie jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ma mort. Et après ma mort, elle sera encore là pour me hanter, c'est sûr. Avec sa tronche de... Nous aussi, on est là pour pourrir ta vie. Oh là là, donc y en a un deuxième maintenant, putain, sentez-vous. Elle a coupé les fils, mais elle peut ouvrir le portail. C'est vrai ça, madame la dame blanche, vous pouvez... couper les fils du téléphone et vous pouvez pas ouvrir le portail. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, attendez, j'ai traversé. Dépêche-toi. Dépêche-toi de quoi? Tic-tac, tic-tac, sonne l'heure de la mort. Oh là là. Tic-tac, sonne l'heure de la mort, ils me mettent en stress. Alors attendez, je vais trouver la solution, ne vous inquiétez pas. Je ne vois pas grand-chose. Attendez, alors ici, il y a un truc vert. Je peux le traverser. Il y a quoi? C'est un banc, ça? Tu vas être décapité comme moi. Putain, non, je veux pas être décapité comme toi. Je tiens à ma tête. Je tiens à ma tête. On déposera ton organe en signe de trophée. Allô? Allô? Oh là là! Il y a une tête de mort qui est apparue, bordel! Et c'est la tête de mort de qui? Allô? 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 Mais qu'il est encore plus stupide. Voyons voir. Il y a notre bureau de ce que je vois. Au secours, au secours. Au secours. Je brûle. La mort de monsieur. Je brûle. Je vais mourir. Je vais mourir. Arrêtez, s'il vous plaît. Mourir dans les enfers. Oh là là, il y a de l'eau, il y a de l'eau. On se croirait dans The Ring. On se croirait dans The Ring. Bon, quelle est l'astuce? Quelle est la solution pour sortir d'ici? Psst. Oui. C'est bien. Oui. Psst. Vous êtes où? Je ne vous vois pas. Vous êtes dans le bain. Vous venez faire un petit tour dans le bain avec nous? Dans le bain? Oh putain. Allez. Où est la douche? La pièce d'à côté. Je vous attends. La pièce d'à côté. Je me suis mis dans le bain, rien pour vous. Rien que pour vous. Oh là là. Non, de votre... Allez-y. Dans la pièce d'à côté. Attendez. Oui. J'ai pas tout votre temps. Alors, vous avez dit quoi? Vous avez pas de culotte? Ça me fait peur. Dépêche-toi. Je crois que je suis dans la salle. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, bordel de merde? Bonjour, monsieur le maire. Oh là là. Vous venez faire un petit tour avec moi? J'arrive. J'arrive. Ah, ah, secours. Bonjour. Bonjour. Allez-y, venez. Je vous attends. L'eau est... Est-ce que l'eau est bien pour vous? Oui, tout à fait, j'apprécie. Ah. C'est le seul moment de relaxation que j'ai pu avoir depuis quand même quelques minutes. C'est vraiment si relaxant que ça, en bas. Allez. Au revoir, monsieur le maire. Oh non, vous allez pas partir encore une fois. Elle me laisse en galère. Je vais le noyer, sortez vite du pain. Oh là là, je sors. Il va me noyer. Il va me noyer. Le Zombax.
avec sa tronche de cafard. Vos gueux aussi, Sylvienne. Vous avez un visage de gueux maintenant, monsieur de la courge. Vous avez toujours été un gueux, monsieur Lugner. Oh là là, ils ont changé. Ils ont changé de position. Ils ont changé de position, les trucs, là. Bordel. Je me casse d'ici. Des traces de sang. Je me casse. La pièce est fermée. Putain. Oh putain, elle est là. Au score. Là aussi, c'est fermé. Mais à part... Je vous vois. Vous m'observez. Il y a des têtes de mort qui s'accumulent. Dépêchez-vous. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Oh là là. Je retourne dans la salle de bain. Il doit y avoir une énigme dans la salle de bain. Si je vais vous noyer. Allez-y. Ok, je suis dans la salle de bain, tu peux venir. J'arrive. Il est où? Je le vois pas. Je vois rien. Entends mes pas. Putain, j'entends ses pas. Je me rapproche. Parti. Tu m'entends? Oui. C'est du mal. Allô? Mais faire mal? Oui, vas-y. Très mal. Très, très mal. J'aime beaucoup ce que tu me dis. J'ai serré la porte de la salle de bain. Monsieur le maire? Oui. Je vous vois? Moi, je vous vois pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aidez-moi, s'il vous plaît. Retournez-vous. Oh, putain! Oh, putain! Je serai où? Je sortirai du bain? Les esprits de cette maison ne sont pas forcément très gentils, des fois. Alors, je sors. Ce sera la tête sous l'eau que vous aurez, si vous continuez. Alors, je sors. Tiens, une porte ici. Je suis revenu dans le couloir, je crois. Ouais, je suis revenu dans le couloir. Mais qu'est-ce qu'il y a au score? Oh, putain. Oh. Le maire commence à ressentir des douleurs. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sortez de cette salle de bain. J'ai ma poitrine en feu. Je me mets vraiment dans la baignoire. Je sors. Je commence à avoir mal. On me plante des aiguilles de partout dans le corps. Des pieux. Mes poumons brûlent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Je vous étrangle. J'ai du mal à respirer. Quel plaisir. Il est en train de m'étrangler. J'arrête de vous étrangler. Vous pouvez repartir avant de soir. Ah, je ressors. Putain. Oh putain, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bureau? J'ai du mal à respirer toujours. Putain. J'en peux plus. Je tremble plus. Ça y est. J'ai retrouvé ma respiration. Je me sens mieux. Dépêchez-vous, sinon ce sera encore pire. D'accord, ça va, je me mets derrière le bureau. Qu'est-ce qui se passe? Je suis prêt à vous recevoir, monsieur. Monsieur le démon. Mais c'est pas moi qui vais recevoir. Je te reçois qui? Aide-le un peu, le pauvre. Il me fait de la paix. Ah!
Putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Elle doit avoir... Vous en pensez quoi de mon bureau, monsieur le maire? Monsieur Leclerc, vous en pensez quoi de mon bureau? Bah écoutez... Regardez le beau feu là-bas. Je trouve qu'il est assez joli. Magnifique bougie. Un très beau pupitre. Est-ce que vous avez dans le coffre? Rien du tout. Vous ne regardez pas. Parce que vous êtes... Mais non, moi, regardez. Moi, pas regarde parce que... C'est les autres gentils. Ouais. C'est sur le panneau aussi. Mais non, mais regardez parce que... Vous devez avoir la culotte mouillée, et puis avoir les règles du bain... Vous trouvez ça drôle, monsieur le maire? Oui, tout à fait. Alors attendez, il y a un canapé ici, je vais m'asseoir sur le canapé, en face de la cheminée. Je me relaxe. Oh putain, oh putain, elle est de retour. Sortent du canapé des fois. Moi ça va, je ne sentirai pas. Par contre, ça risque de faire très mal. Oh là là, oh là là, mais je me suis mis dans une galère. Je vais me réchauffer près du feu. Ça va mieux. Qu'est-ce que je dois faire dans ce salon démoniaque? Attendez, il y a... Oh là là. Le maire va mourir. Mais où vous êtes, bande d'ectoplasme diabolique? Où vous êtes? Je vais faire un graffiti avec votre sang, monsieur le maire. Monsieur le merde, vous m'avez appelé? Oh oui, c'est ce que vous êtes. Écoutez-moi bien, monsieur de la couche. Je vous ai jamais respecté. Et c'est pas en tant que... être démoniaque que je vais commencer. Alors vous allez mourir. Martine. Et si on faisait souffrir encore plus? Oh oui, 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 oui. C'est bien. Ah, oui. C'est ça. Ah oui. Attends un peu. Monsieur le maire, je serai mou, je sortirai très vite de cette salle. Oh putain, je me casse d'ici. Oh oui. Où est la porte? Une très belle salle, par contre, en face de celle-ci. En face. Vous voulez faire un petit tour? Je vais en face. Oh là là, c'est un couloir interminable. Oh là là, il fait tout noir ici. Il fait tout noir, vraiment tout noir, je ne vois rien. Putain, il y a des bougies ici et là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La pièce bouge. La pièce, c'est un tremblement de terre. C'est pas possible. Oh putain, reculez sans vous retourner. Oh putain, je recule sans me retourner. Oh, il vaut mieux pas, monsieur le maire. Si, retournez-vous, allez-y. Oh oui. Je suis retourné là. Bonjour. Oh putain, elle est là. Quand même compliqué de faire un demi-tour dans le noir. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris un coup. Je ne vois rien. Je vous étrangle encore une fois et encore plus fort ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai du sang sur les yeux. C'est le mien, à vrai dire. Oh là là, je suis sorti. C'est le couloir démoniaque. C'était un couloir démoniaque. Est-ce que je dois passer une autre épreuve? Est-ce que je dois passer... Si vous... Oh là là, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, c'était pas ici. C'était où le téléphone? Oh, il y a un os. C'était ici le téléphone? Oui, c'est ici. Je réponds. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Vite, faut absolument que vous alliez en bas. Attends, faites attention à eux. Je suis encore un... Je crois que je vais mourir. C'est qui? Vous êtes qui? Dépêchez-vous, allez en bas. Allez en bas, s'il vous plaît. Dites-moi qui allez vous en êtes. Bas, absolument. Dites-moi qui vous êtes. On va me pendre. Ils vont me pendre. Dépêchez-vous, en bas. Ils vous attendent en bas. Allez en bas. Je descends tout de suite. Je crois que c'était par là. Oui. On peut pas descendre plus vite, hein. Je me suis cassé une jambe. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Il y avait une tête volante. La tête de Monsieur de la Cour, mes respects. Comment osez-vous? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment osez-vous? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment osez-vous? Oui, je suis là. Oh oui, je suis prête. Monsieur le maire, ça vous dit de me rejoindre? Oui, je vous... Avec nous dans cette maison? Je veux bien vous... Pour toujours? Non, pas pour toujours. J'allais vous dire, je suis prêt. Alors fuyez. Vite, je me casse. On a appris. Vous ferez mieux de sortir au plus vite de cette maison. Vite, je me casse d'ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cassez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vite. Au secours, je me casse. Au secours. Oh là là, vite, faut que je me soigne. J'ai plus beaucoup de vie. Vite, je me casse. Au secours, je suis poursuivi. Oh, je suis poursuivi par un... Au secours. Vite, ah, je crois que je passe par là, vite. Tournez pas. Je suis bloqué. Au secours! Mais barrez-vous de mon chemin! Barrez-vous de mon chemin! Oui! Je pourrais avoir l'honneur, s'il vous plaît. Ah, il veut pas monter! Au secours! Tu pourras être avec nous dans cette maison à jamais? Non, jamais de la vie! Ça me te dit, on s'amuse bien! Non, jamais de la vie! Pas avec vous! Avec ta tronche! Avec ta tronche dégueulasse! On pourra faire des petites sessions baignoires aussi. Non, jamais de la vie! Avec ta tronche dégueulasse! Jamais! L'autre et sa tronche de cake, jamais de la vie! On pourra faire une chambre commune aussi? Oh, encore pire! Allez, mon petit chou! Monsieur le maire préfère rester célibataire pour toujours, au lieu de voir votre tronche! Peut-être avec la belle Martine? Ah! Allez. Martine, tu n'es plus bien fraîche. Vous faites une grave erreur. Oh là là, vite. Par où je sors? Par ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Vite. Putain. Oh, il y a du sang. Vite, je prends le... Vite. Ici, le chemin. Oh. Me casse. Ah, oh, plus jamais de ma vie, je reviens ici, bordel. Ça y est,
J'ai réussi à m'échapper. Vous avez apprécié. Plus jamais de la vie, je reviens là. Bande de jobards. Bande de jobards. Au secours. Au secours. Oh, ça y est. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? La famille Adams. La famille Adams, les gars. Des tarés. Des tarés. Des fantômes complètement tarés. Vite, retournons au One World. C'était si beau. C'était si beau, le One World. Qu'est-ce que je suis venu faire? Une soirée de malade. Une soirée satanique. Une belle brochette de cinglés. Alors, en plus qu'ils sont cinglés, il faut que ça soit des fantômes, bordel de merde. Ils sont mangés tout cru. Monsieur de la Courge n'est plus. Monsieur de la Courge, il peut mourir en enfer et dire bonjour à Satan de ma part, que je ne reviendrai plus jamais. Ignoble. Vite, je crois que le Wamward est par là. Vite, il faut que je voie un monument du Wamward au plus vite. Je crois que c'est par là. Vite, vite, est-ce que le Wamward est là? Je vois des repères déjà. Plus jamais je reviens. Oh mais my god, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a un organe génital ici aussi? Monsieur Docteur Nintendo est passé par là certainement. Bordel de merde. Il en a mis de partout, j'en vois un deuxième là-bas. Il y a des organes génitaux de partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Une honte. Une honte pour le One World. On a eu peur, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Fibrox. Merci beaucoup. J'ai cru entendre une voix. Tournez-vous. Oh. J'ai cru entendre la voix de monsieur Docteur Nintendo. Oh, monsieur Docteur Nintendo. Comment allez-vous? Bonsoir. Pourquoi c'est que vous avez ce masque dégueulasse? J'ai cru voir ça. J'ai cru voir ça dans le manoir des cinglés. Oh, ce n'est rien. Que faites-vous ici, monsieur le maire? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? J'étais invité par monsieur le maire. Je vous entends pas bien, monsieur Docteur Nintendo. Vous êtes un voyeur, monsieur le maire? Ah, là, je vous entends beaucoup mieux. Je suis un voyeur, vous m'avez dit? Vous venez m'espionner pendant que je fais des bites à travers tout le world? Ben, oui, mais je suis assez impressionné par votre perversité tout de même de mettre des organes génitaux tous les 50 mètres dans la forêt. Écoutez, l'art est subjectif, monsieur le maire. L'art est subjectif, mais l'art n'est pas subversif, sachez-le. Monsieur le maire n'est pas satisfait pour ces constructions illicites. Vous serez jugé et je vais demander à monsieur Chef Puma de rajouter ça dans vos chefs d'inculpation. Vous passerez au tribut WAM pour ça. Et du coup, que faites-vous ici, monsieur le maire? Mais j'étais invité par la famille des cinglés, là. Il y en a un qui s'est fait tuer. Il est revenu en fantôme. Il y avait un fantôme qui me parlait aussi. Il volait dans le ciel, là. Et il me disait, viens, viens à ma soirée. Tu vas t'éclater au bal masqué. J'y suis allé. Et au final, je me suis retrouvé à risquer ma vie, bordel de merde. Ah, je vois. Je vois, vous les connaissez, les tarés, là, les foldingos? Il y avait bien le manoir de mon grand-père par là-bas, mais... Oui, tout à fait. Je crois que c'était l'esprit de votre grand-père qui m'a hanté. Il s'appelait Sir Leonard Nintendo. Oui, mon grand-papy. Il a toujours été un peu bizarre. Ah, c'est votre grand-père. Je vous nomme responsable de cet acte par descendance. Vous serez jugé pour un 18e chef d'inculpation. Bien, monsieur le maire. Mes respects. Avec le respect, toujours. Avec le respect. Je vous raccompagne au Walmart, monsieur le maire. Je veux bien que vous me raccompagniez, mais je vous trouve changé, monsieur Docteur Nintendo. J'ai passé de très bonnes vacances, monsieur le maire. Vous avez passé de très bonnes vacances, mais je trouve votre manière de parler assez louche. Je pense que vous préparez un putsch ou un coup d'état.
J'ai abandonné mon rôle d'adjoint, ce n'est pas pour me consacrer à cela. Ah, merci bien. Merci bien. Mais vous savez que vous n'êtes plus adjoint, vous vous en souvenez quand même. Hein. Je m'en souviens très bien. Vous n'êtes plus adjoint au maire, hein. Et vous êtes donc punissable au tribuam, vous le savez. Je le sais bien, monsieur le maire. Vous vous en souvenez très bien. Vous avez perdu votre immunité diplomatique. Je vais quand même accepter votre aide. Oh là là ! Vous m'avez même pas attendu ! Attends, je suis en train de courir depuis tout à l'heure, mais vous courez plus vite que moi, vous êtes en train de tomber aussi. Bonjour ! Bonjour madame, monsieur, madame chef Puma, comment allez-vous ? Oh, j'en peux plus. Attendez. Reprenez votre souffle. Est-ce que vous pouvez ajouter, s'il vous plaît, monsieur, madame chef Puma, un 10e, oui. Un 17e chef d'inculpation pour monsieur docteur Nintendo concernant des constructions illicites d'organes génitaux. Illicites. Oui, bah, j'ai écrit ça tout de suite, je dirais même. D'organes génitaux, parce que c'est une circonstance aggravante. Et ensuite. On est déjà pas mal de. De circonstances aggravantes, oui. Alors, il y en a quand même pas mal, hein. Tout à fait, tout à fait, il y en a beaucoup. Il va prendre cher, il va prendre cher. Par contre, il y a un 18e chef d'inculpation, c'est que je le nomme responsable de la tragédie que j'ai vécue au manoir de Sir Léopold de Nintendo. Sir Léonard Nintendo. J'ai failli mourir là-bas. C'est son ancêtre en fantôme qui a voulu m'assassiner. Je nomme Docteur Nintendo responsable. Très bien. Merci bien, monsieur, madame, chef Puma. C'est noté. Merci beaucoup. Hop. Il va durer longtemps, le jugement de monsieur de docteur Nintendo. Hein. Au moins... Oh bah là, Au moins trois lives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... On est à 11 chefs d'inculpation, ce qui est déjà pas mal. Ah, on est à 11. Ah, j'ai abusé un peu quand j'ai dit 17 et 18. 18, hein. C'est beaucoup, monsieur le maire. Oui, ça fait beaucoup, je trouve. Hein. Vous pouvez prendre la peine capitale, ne l'oubliez pas. Malheureusement. Malheureusement. Bon, du coup, j'ai quand même accepté qu'il m'aide pour me ramener au One World. Oui, bah, moi, de toute façon, je connais pas le chemin. J'étais censé... Heureusement que je vous ai retrouvé, parce que sinon, j'aurais été perdu après dans la neige. Ah bah oui, je vous ai vu courir. Oh, elle est tombée. Elle est tombée. J'ai essayé de te perdre, j'ai plus mal, mais bon, malheureusement. S'il vous plaît. Attrapez ma main. Venez, venez. S'il vous plaît. Venez, je vous ai fait un escalier. Désolé, je me suis fait mal au pouce, je ne peux pas te faire remonter. On ne peut jamais compter sur lui. On ne peut jamais compter sur Monsieur Docteur Nintendo, c'est effroyable. Oh my god, des zombies vertifiés. Merci bien, Monsieur Docteur Nintendo. De rien. Je peux tout de même compter sur vous dans les moments compliqués. Je tiens à vous le dire. Oui. Les moments cons, surtout. Attendez, je crois voir la pagode. Oh oui, je vois la pagode. Le Wamworld est tendu. Je la vois bien, la pagode en haut. Vous la voyez, la pagode ? Ah, ça fait plaisir de rentrer, quand même. Elle est grosse, cette pagode. Alors, c'était bien, vos vacances ? Je vais vous recevoir dans mon bureau. Vous allez me raconter vos vacances. Monsieur Docteur Nintendo et Monsieur Madame Chef Puma. Pour terminer cette session de live, je vais vous recevoir dans mon bureau pour écouter ce que vous avez à me dire, et j'espère que vous allez me raconter tout dans les détails. Mais j'ai cru voir la pagode, donc oui, la pagode est bien là, on se rapproche du One World. Oui. Je veux bien vous raconter, mais pas ce qui s'est passé sur l'île, s'il vous plaît. Non. Je raconte pas ça, surtout pas. Pourquoi ? Vous avez même pas fait. Et on avait dit qu'on n'en parlait même pas. D'accord, vous voulez pas qu'il en parle. Pourquoi vous avez du mal à vous asseoir maintenant, madame chef Puma? Allez, faut que j'y aille. Faut qu'on y aille, là. On est bientôt arrivé, quand même. Ah oui. Ah, ils veulent pas raconter. Raconter quoi? Je vois la pagode, elle est là. Oh, quelle belle pagode. Oh oui, elle est belle. Ah oui, elle est magnifique, la pagode. Ah oui, magnifique. Ah ouais. Wifi Brooks, tout le monde peut rejoindre. Minecraft est universel. Tous les joueurs du monde peuvent rejoindre. Et de toutes les consoles et PC confondus, c'est l'avantage. Excusez-moi pour cette petite aparté, monsieur Docteur Nintendo. J'étais en train de renseigner
prenons le métro, monsieur le maire, en revanche. Alors, par contre, on a un problème de... On a un problème de wagon. Ah. Attendez, je veux aller voir la pagode, parce qu'elle est tellement belle que je veux la voir une dernière fois. Je vous conseillerais, s'il vous plaît, monsieur Docteur Nintendo, pour ceux qui n'ont pas vu la map dans le live, ou ceux qui découvriraient le Wormworld sur une rediff, ben, je préférerais qu'on passe par les extérieurs, puisque je n'ai pas montré la partie nord de la ville, avec cette magnifique pagode, créée par Sir Evan Coe. Une pagode n'est pas une god. Une pagode n'est pas une god, effectivement. Elle est magnifique. Philosophique. Tout à fait. On se croirait en Asie, messieurs, avec cette pagode et ce jardin japonais. Savez vos propos, monsieur le maire. Pourquoi ? Nous ne parlons pas de ces gens-là sur le live. Ah, monsieur Arquet est ici. Oh non, pas lui. Oh, par contre, il m'a pas manqué. Hein. Monsieur Arquet, bonjour. Comment allez-vous ? Il m'a pas manqué, lui, par contre. Comment allez-vous, monsieur Arquet ? Monsieur Arquet ne parle pas beaucoup. Non, mais c'est pas grave. Bon, ben si... Il a un perroquet sur son épaule. C'est magnifique. Allez. Ah bah très bien, parfait. Monsieur Arquet est parti. Alors, direction le bureau de monsieur le maire, c'est parti. Ok, je prends ton gamer tag à la fin du live, Fibrox. Ou sinon tu me l'envoies en MP, je te rajouterai. Oh, Crino, ça faisait longtemps. Oh là là, je me suis fait attaquer par quelqu'un. Bon bah allez. Oh putain, mais je vais mourir. Bon, au lieu de manger là. Où ça? Oh, monsieur Crinofab. Quel bonjour. Merci pour le... Merci pour le follow, B. Jordan. Merci à toi. Mes respects, monsieur Crinofab, mes respects, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu dans le Wormworld. J'étais venu quand même, ouais, c'est vrai, il y a deux, trois semaines. C'est bizarre parce que j'ai vu un certain monsieur qui vous ressemblait énormément, mais sauf qu'il avait la peau bleue. Ah bon? Oui, tout à fait. Très bien, allons-y. Vous étiez où? Vous étiez parti en vacances aussi, monsieur Crinofab? Non, mais en fait, je vois avec... En fait, il y a un mec qui tient jamais ses promesses, qui est dans le Wormworld et qui... Ah, mais je crois qu'il est à côté de moi. Ah attends, oui, je vois de quoi vous voulez parler. Je suis de retour. Je vais pouvoir m'en enfin, en fait, depuis des semaines, je le contacte, mais il répond pas, donc... Salut Bijordan. Alors si tu as Minecraft, tu peux rejoindre la map la semaine prochaine parce que là on a terminé. On live tous les samedis soirs et voici comment on intègre le Wormworld comme ceci. Entrée priorité aux dames. Ah priorité aux dames. Oh mais quel gentleman. Quel gentleman. Priorité aux mères surtout. Priorité aux mères. Si, Bijordan, j'ai bien une chaîne YouTube, effectivement, qui s'appelle Jeux de Roi Moussi. Alors, on va... Monsieur Docteur Nintendo, Madame Monsieur Chef Puma, vous pouvez rentrer dans le bureau de Monsieur le Maire. Alors, comment s'est passé vos vacances? Des gens plus gentils que d'autres? Des gens plus gentlemen? Ben, tout à fait, je vois que Monsieur Crinofab... Vous auriez pu au moins proposer la chaise? C'est ça. Je suis une femme, moi. Monsieur Crinofab, lui, il fait rentrer les dames en premier. Monsieur Docteur Nintendo, lui... Mais là, il est plus gentil quand même. Hein. Ah oui, c'est clair. Monsieur le maire, j'installe juste un siège pour cette gentille madame. Oui, je vois ça. Je vois ça. Très bien. Cela faisait longtemps que nous étions pas venus ici. Je suis un des tout premiers à être rentré dans cette survie, on me dit dans le chat. C'était quoi ton pseudo? Je dois m'en souvenir, hein, Bijordan.
Non, tu vas me le donner. Oui, donne-moi-le en MP sur le Discord, comme ça. De toute façon, il sera visible sur le live. Hein. Allez, je vous écoute. Comment se sont passées vos vacances, mesdames et messieurs? Plutôt bien. Un peu long, 3 semaines avec lui, quoi. Est-ce que j'ai une question à vous poser? Oui. Est-ce que vous avez fait un bébé? Monsieur le maire, il ne s'est rien passé. Comment ça, il ne s'est rien passé? Deux personnes. Deux personnes aussi beaux que vous. Deux personnes aussi belles que. Ça marche que pour moi, ça. Deux personnes aussi belles que vous. Monsieur le maire, sans vouloir vous offenser, êtes-vous passé chez l'ophtalmologiste pour vos yeux récemment? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, à côté de moi, voilà. Vous critiquez. On va parler d'exemple de beauté. Vous avez la reine des neiges à côté de vous, je vous signale. Vos cheveux, allez, vos cheveux sortent de votre torse. C'est pas très beau. Enfin bon. Nous avons beaucoup voyagé, monsieur le maire. J'y ai répandu mon art un peu partout. Votre art perverti, vous voulez dire, avec des organes génitaux qui ont poussé sur les montagnes. Je vous félicite pas, monsieur Docteur Nintendo, franchement. Je ne veux pas être comme ça. Je lui ai dit de pas construire ça. Il m'a dit non. Ah, mais je sais bien, je sais bien, madame Chef Puma, que vous avez essayé de le raisonner, mais il a une U dans la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est grave. Il m'en a parlé pendant 3 semaines. Ah, pendant 3 semaines. J'espère que vous pouvez vous asseoir sans avoir mal, madame Chef Puma. Non, mais au début, j'en faisais des petites blanches au début, mais madame Chef Puma me demandait d'en faire des plus grandes. Non, mais ça va pas. Ouais. J'ai jamais fait cette demande. Oui. N'importe quoi. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir expliqué vos vacances. J'aimerais recevoir Monsieur Crinofab et Monsieur Docteur Nintendo dans mon bureau, s'il vous plaît. Au revoir, madame Chef Puma. J'espère que vous pourrez vous asseoir, hein, d'aussitôt. Hein. Monsieur le maire. Et madame, allez-y. J'ai juste. Oh, merci beaucoup. Dans les affaires de Chef Puma. Oui, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les affaires de Chef Puma? Je vous laisse le prendre. God. Je n'ose pas y toucher plus longtemps que ça. My God, mais qu'est-ce que c'est? C'est un os! Un os d'être humain! Que fait-il avec ça? Vous pouvez le prendre si vous voulez, mais je n'ose pas y trop. Hola, buenas noches, soy Nolan. Je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas le prendre. Ça commence par génie. Ouais, je me souviens plus, Jordan, je me souviens plus. Alors, monsieur Crinofab, je pense que vous avez une requête à monsieur Docteur Nintendo. Ah ouais, ça commence à me taper les nerfs. Nous sommes mis d'accord. Dès la prochaine fois, je continue sa maison. Et tu J'ai retrouvé les plans, donc je vais pouvoir tout de suite m'en occuper. Merci, monsieur Arquet, d'avoir réparé le mur. Merci beaucoup. Alors, vous, levez la main et dites, je le jure, monsieur Docteur Nintendo, que dès la semaine prochaine, vous construirez une maison pour monsieur Crinofab et je nommerai le live hashtag une maison pour Nolan. D'accord, alors laissez-moi. Très bien. Monsieur Docteur Nintendo a juré, il n'a qu'une seule parole. Je vais entendre ces mots, je jure solennellement que je construirai la maison de Nolan. Je jure dès le prochain live. Je construirai la maison de Nolan dès le prochain live. Très bien. Jurez, cracher, je veux vous entendre cracher. Oui, mais monsieur le maire, est-ce que je peux cracher dans votre bureau? Oui, allez-y. Ça fait du bien. Plus fort, je ne vous ai pas entendu. Je veux vous entendre raquer. C'était un petit. Voilà, je vous ai entendu raquer là. Maintenant, vous crachez.
Elle aime bien, en tout cas, Elsa, vous voir, voir cracher. Hein. Elle nous observe. Monsieur le maire, vous devriez vous débarrasser de ce que vous avez sous les pieds. Je devrais me débarrasser de qui ? De ce que vous avez sous votre bureau, ce n'est pas très... C'est quoi ? Merci bien, merci de l'avoir récupéré, monsieur Crinofab. Merci beaucoup. Je vais vous demander de quitter mon bureau. Toc, toc, toc. Oui, madame chef Puma, que se passe-t-il ? Vous avez sûrement un objet à ma possession, j'ai perdu quelque chose. Je sais pas si vous avez trouvé un objet à moi. C'est monsieur... C'est monsieur Crinofab qui l'a pris. Ah, bah je veux bien le retrouver, s'il vous plaît. J'en aurais besoin, suite. Monsieur Crinofab, pouvez rendre l'os ? Oui. Ah non, il est ici, il est ici. Venez. Il est ici. Attendez. Ah, c'est tout gluant, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. C'est parce que j'en aurais besoin là tout de suite maintenant, alors... Pourquoi c'est gluant ? Ah mais attendez, mais ça a la forme de... Oh. Non mais vous n'êtes pas obligé de l'analyser, vous pouvez me rendre s'il vous plaît, monsieur. Oh. Non mais je rêve. Mais c'est un god. Oh, oh my god, mais... c'est un god. Oh, mais... Non mais j'en aurais besoin. Il est frais, il est frais. Oh, oh non, mais là. Pourquoi vous me gardez dans les mains alors ? Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Mais le pire c'est qu'il aime bien ça, mais non. Ah. Merci. Si vous voulez, je peux vous le donner, monsieur le maire. Non, ça ira. C'est un objet personnel. Amusez-vous bien avec. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, messieurs. Au revoir et merci d'être passés. Je vous souhaite la bienvenue dans le One World et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. La semaine prochaine, nous construirons une maison pour Nolan. Au revoir. Merci bien. Voilà. Merci. Oh. Bon, un coup de gode, ça fait mal, hein. Je suis désolé. Monsieur le maire. Oui, je vous écoute. Vite. C'est un assassinat que j'ai vu. Non, mais Effectivement. Je voulais le taper avec mon jouet, mais du coup, ça fait... j'ai fait le taper un peu trop fort. Effectivement. J'aime les délateurs comme vous, monsieur Dr. Nintendo. J'atténuerai votre peine. Et monsieur chef Puma, vous serez jugé pour assassinat. Non, mais j'ai pas fait exprès. Je voulais lui faire plaisir, mais du coup, ça... Homicide involontaire. Oh, inadmissible, vous avez tapé monsieur le maire. Nouveau chef d'inculpation. Deux chefs d'inculpation. Est-ce que vous pouvez les noter, monsieur docteur Nintendo ? Assassinat. Je suis désolé, on n'inquiète pas rien que pour vous. Assassinat. En revanche, monsieur le maire, je tiens à vous remercier de... Vous faites honneur à mon grand-père en disant que je fais beaucoup de délations. Merci. C'est un professionnel dans l'art. Merci beaucoup. Il était très respecté, vous savez. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Hein. Merci pour le follow, la sodo. La sodo. Je vais t'appeler l'asso, moi, hein, parce que la sodo, ça... Après, on me critique, moi. Merci beaucoup pour le follow, ça me fait plaisir. Si tu as Minecraft, Tas de gras est dans le chat, mais il n'y a aucun problème, Tas de gras. Hein. Tu as eu beau ne pas venir pendant un certain temps, tu es un Whammer. Tas de gras qui est revenu. Oui, et ils s'en souviennent de toi, Tas de gras. Merci beaucoup, la Sodo. Tout le monde peut rejoindre la map hein, pour faire du RP, je le répète encore une fois. Tout le monde peut rejoindre le RP en live tous les samedis soirs. Il suffit juste de follow la chaîne, vous me donnez votre pseudo et vous pourrez nous rejoindre la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous remercie à tous d'avoir été présents lors de ce live. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les coups de 21h30. Nous avons un Discord également. Ici, je vous envoie le lien. Vous rejoignez le Discord puisque c'est grâce à Discord qu'on communique ensemble sur la map.
puisqu'il y a des joueurs de PC, il y a des joueurs de PlayStation, il y a des joueurs de Switch. On est tous réunis sur cette map. Un grand merci d'avoir été présent lors de ce live. J'en ai eu marre de tout, donc j'ai arrêté les jeux vidéo, regardé des vidéos, je sais pas. Mais ça m'a fait un de ces biens. Ben écoute, si ça te fait du bien, ça fait plaisir, monsieur Tadegras. Et on sache que on avait mis un avis de recherche à la police municipale du Wamworld parce qu'on te voyait plus. Au moins, je te le dis, et ça prouve qu'on pensait à toi. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents dans le jeu. Docteur Nintendo, Anto, Cyver, Chef Puma, Event et tout le monde. Je peux pas nommer tout le monde comme ça. Merci à Fibrox, merci à Yoshi, merci Bijordan, merci Lassodo, merci Anto, merci à tous ceux qui étaient dans le chat, merci T41, merci le Diable des Whammer, tous ceux qui ont été présents, merci pour le follow NTMBA. On se retrouve samedi prochain. On se retrouve samedi prochain sur les coups de 21h, 21h30, 22h grand max pour un nouvel épisode RP. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était placé sous le signe horrifique, une semaine en retard après Halloween parce qu'on n'était pas prêt. Mais on était prêt ce soir et j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi. Oui, moi je suis sur PlayStation NTM bas. Mais tout le monde peut rejoindre, il te suffit de me donner ton gamer tag. Tu pourras me le donner soit dans le chat la semaine prochaine, soit dans le Discord, vous rejoignez, vous envoyez MP dans le salon Minecraft. Je vous envoie le lien du Discord, c'est ici. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, soit vous me donnez votre pseudo dans le chat Twitch, soit vous venez sur le Discord. De toute façon, vous pouvez intégrer le Wamworld sans être en vocal grâce à Discord. Mais le seul inconvénient, c'est que vous devez suivre le live à côté pour que vous puissiez m'entendre. Sinon, vous venez sur le vocal du Discord. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture et à jamais dans le tramway. Thank you.